ça va? Ça fait longtemps, dis donc! Ah, oh oui! Oh, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé, dis donc! Ah. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit vide-grenier. Après plusieurs mois où j'avais pas fait de vidéo montée propre, nickel chrome sur la chaîne YouTube. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est le moment. Aujourd'hui, il y en a un. Il est bientôt 9h30. Je suis dans ma petite voiture, je suis à côté de chez moi, je suis avec ma maison juste là. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un. C'est de la fin de l'été, c'est la fin des vacances. Pour moi, ça sera bientôt les vacances. Et voilà. Il arrive plein de trucs dans ma vie. Et voilà. Et je me suis dit, bah aujourd'hui, on fait un petit VG tranquillement. Pour un petit peu on va essayer de redémarrer la chaîne. On va essayer de refaire des vidéos, on va essayer de refaire des choses sympathiques. Puis si vraiment je vois ça marche pas, bah tant pis, hein, je l'aurais fait pour le plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente vidéo, une excellente vidéo. Et puis de toute façon, on se retrouve en fin de vidéo pour faire le compte rendu du VG, si j'ai trouvé des trucs intéressants. Voilà, parce que j'espère que je tourne pas ça pour rien, sinon j'ai l'air d'un con. Allez, bisous. Bonjour. Oh bonjour. Vous êtes combien là? Elle est à 35. Vous avez d'autres deux quoi ou... Non, c'est dans la console. Ouais. Après c'est la console là, la console. Ah la vache, c'est vu comme mes rois ça. Je vais prendre ces deux là, Crash et puis Trick Factor. Il y a 20, tenez. Allez, après
Une bonne heure sur le vide-grenier. Ben, on est de retour à la maison, ça fait du bien dans l'univers que vous connaissez. Et bien sûr, ça fait plaisir de refaire une petite vidéo comme ça. Ça n'a pas duré longtemps le petit détour vidéo en vide-grenier parce que j'ai pas beaucoup filmé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous avez vu à peu près ce que j'ai pris dans la vidéo. Je me suis quand même fait plaisir à un revendeur. Je pense à un revendeur, c'est un mec qui a beaucoup de jeux vidéo. Pour moi, c'est un revendeur. Mais j'ai pris les prix les plus bas possibles, à moins de 10 euros, pas plus, parce que c'était des jeux chers, sinon c'était, ça allait jusqu'à 35-40 euros pour un jeu Mega Drive, ça faisait cher. Et voilà, je me suis pris des jeux Mega Drive, vous allez voir ça tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par le revendeur que je vous parlais un instant. C'est le seul revendeur, vraiment, c'est la première fois que j'achète sur un revendeur. Ça, au début, j'avais une sale opinion, et souvent, quand je faisais des vide-greniers, je voyais souvent la même personne sur le même stand. Et il était super cher. Que là, c'était un monsieur avec sa femme, super sympa, franchement. Bonne entente, tout. Et il avait des petits jeux. Et j'ai pris 5 jeux, Mega Drive. Je vais vous montrer. Il y en a un qui était. Bon, j'ai pris Marsupilami. Voilà, un jeu sur Mega Drive. Il était à 15 balles, 15 euros. J'ai dit pas au-dessus de 10, mais tant pis, hein, j'ai pas fait gaffe. Voilà, je l'avais pas celui-là et je suis super content parce que ça me plaisait de l'avoir. Et puis comme la Mega Drive, c'est devenu une des consoles rétro qui me plaît énormément. Et franchement, je pense un jour faire un live dessus. Chaque fou sur Mega Drive en boîte, regardez, ils sont tous complets. Il a été à 10 euros. Voilà, regardez. En plus, c'est une grosse. Comment c'est ça? Ils sont pas tous complets. Je connais pas du tout ce jeu. Je ne connais pas du tout, mais je crois que je l'ai sur un autre style de console. Je crois que je l'ai déjà, mais bon, je vais bien voir. Sur Master System, je crois que je l'ai. Voilà. On continue avec la Master System maintenant. J'ai pris trois petits jeux. Un à 10, un à 7 et l'autre à 8. J'ai pris... Ah, ça, je connais pas. J'ai pris Chuck Rock. Voilà, le petit jeu là que vous voyez, c'est le petit bonhomme avec de la pierre, avec une grosse pierre, on dirait les pierres à feu. Et c'est Virgin Games qui faisait ça à l'époque, il était à 10 euros. Alors, il est en boîte complet, oh là là, en boîte complet, avec la notice, tout ça, c'est plutôt sympa, 10 euros, ça va, je trouve c'est bon prix. Après, j'ai pris Spider-Man, voilà, pour 7 euros. Voilà, il est. Hop, il est dans sa boîte, mais il n'y a pas de notice. C'est pas très grave, ça, c'est pas... Et puis, j'ai pris Tasmania sur Master System aussi. Le fameux Taz, hein, que tout le monde connaît. De chez, les Looney Tunes, que j'aime bien. Et puis, il était à 8 euros. Je vais vous remonter les 5 jeux que j'ai pris chez ce monsieur. Il y avait Tasmania, Spider-Man... Chuck Rock, Chuck Fu, et puis Marsupilami. Voilà. En total, ça faisait 50 euros. Et elle a fait ça pour 50 euros. Alors j'espère qu'elle a bien calculé, parce que je pense qu'il y en a pour plus. Voilà. On va passer à l'autre suivant. Après, je suis retourné voir l'autre côté. Je suis retourné à l'entrée principale, en fait. Et il y avait un monsieur, un jeune, qui vendait des jeux. J'avais pas fait gaffe. Et là, je me suis repris, j'ai repris un jeu que j'ai déjà sur PS2, mais le problème, c'est que la boîte était abîmée. Et j'en ai profité pour le reprendre parce qu'il était en excellent état. J'ai repris King Kong sur PS2. Voilà, ils vendaient ça à 5 euros. Regardez, en plus, la boîte est en très très bon état. Et franchement, très bon état avec le tout. En plus, il y a même des petits artwork. Voilà, le jeu, tout. Et je suis plutôt content parce que moi, mon édition, elle est complètement... abîmé, et je crois que je l'ai même pas ce truc. Je crois que c'est pas celui-là, c'est non, je l'ai pas. Bah non, je l'ai pas en fait. Bah, j'ai King Kong sur PS2. Je suis plutôt content pour 5 balles. Voilà, c'est plutôt bien. Après, j'ai pris un petit jeu. Alors, je pense que c'est sur PC. Il était à 3 euros et c'est Tomb Raider Anniversary. Voilà, alors c'est sur PS2 aussi. Voilà, sur PS2 et il y a 3 CD, il y a le jeu, il y a un DVD et il y a la soundtrack du jeu qui m'a l'air super sympa et la notice bien sûr. Voilà. Et regardez, Lara Croft, le fameux T-Rex. En fait, c'est un remake du tout premier que
qu'un jour, je vous ferai un plaisir de vous le refaire si vous le souhaitez. En stream sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à me suivre, c'est le lien sera dans la description de la vidéo. Le second jeu sur PlayStation 2, pardon, c'est Survivor 2, celui-là je l'avais pas celui-là, avec ce fameux personnage que je rêve qu'un jour revienne sur les prochaines générations de consoles PS5, Xbox Series X. Il était à 5€ aussi, voilà. Et voilà, il est plutôt en bon état, avec le CD, il manque la notice, mais c'est pas très grave. Voilà, je suis plutôt content de moi. Et là, en fouillant dans son carton, qu'est-ce que je vois? Je vois des boîtiers en forme de cassette. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Bah j'ai trouvé ça. Voilà. J'ai trouvé des jeux qui allaient sur la console Philips Video Pack. Vidéo pack, voilà. Il y avait 18, alors c'est le numéro 18. Il y a le numéro 18. Alors c'est quoi l'autre? Je crois que c'est le numéro 4. Et après il y a le 22. Alors je vais vous dire les noms. Et en fait il n'y a pas de. Il n'y a pas de nom. En fait c'est plusieurs petits jeux, d'accord. C'est plusieurs petits jeux. Voilà. Alors il faut la console. Alors comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça. Et en fait ça se clipse dans la console. Alors, je vous mettrai une photo ici de la console si vous souhaitez pour voir comment ça se met. Alors c'est vieux, le mec me dit vous avez la console, je dis bah non j'ai pas la console, moi c'est pour la collection, je m'en fous. Ça coûtait 3€ le truc. Ah là vous avez celui-là. Ah, ils ont pris un coup dans la gueule, hein. C'est vieux, hein. C'est très très vieux. Voilà, et ça. Je suis plutôt content, c'est 3€. Pour la collection c'est plutôt joli de voir ça. Je sais pas où je vais les mettre. Je sais pas du tout, mais il y a toujours de la... Et ça faisait un total de 20€. 20€ plus 50 qui fait 70. On est d'accord. Et on termine avec deux petites pop que j'ai trouvées. Il y a un mec qui vendait des pop à 10€. La pop. Et comme il me restait 20 balles sur moi, je me suis dit, bon allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ça fait plus d'un an que t'avais pas fait de 10 greniers. Je me suis fait plaisir. Et j'ai pris la pop de Coco Bandicoot. Voilà, Coco Bandicoot. J'ai déjà crash plusieurs fois et Cortex et puis le masque. Et il me manquait Coco. Il me manque d'autres. Voilà. Et le dernier, j'ai pris Street Fighter. J'ai pris Ken. Elle est plutôt simple. Et ils sont visités à 10€. La pop. Je pense que dans le commerce, ça vaut 15 balles une pop. Ça vaut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous promets qu'on va se refaire des vidéos sur ma chaîne. Là, ce temps-ci, je vous balance, c'est vrai, beaucoup de replays de mes lives de Twitch. Je vais vous balancer bientôt un replay sur le stream que j'ai fait sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et puis voilà, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao !